Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Chers amis de l'eau, bonjour. Nous voilà arrivés à notre 22e webinaire depuis le début de la pandémie, avec plus de 150 personnes inscrites, représentant 15 pays. Merci pour votre fidélité, chers amis. Nous vous proposons d'aborder aujourd'hui un thème qui est cher à l'IME, le management de la performance dans les réseaux d'eau potable. Ce thème nous a été proposé par la Société des eaux de Marseille et Veolia dans le cadre du partenariat qui nous lie. Nous aurons deux interventions. La première par Mohamed Aïdbarek, directeur de l'eau et de l'assainissement de la Rédal, la Rédal, Société des eaux d'énergie et d'assainissement de Rabat, gérée sur un contrat de concession avec Veolia, donc au Maroc, suivi de celle de Michel Almandian, directeur international de la Société des eaux de Marseille et également directeur général de la filiale de la SEM au Maroc. Et je les remercie tous les deux pour leur présence aujourd'hui. Chers amis, l'alimentation en eau potable de certaines régions du monde déficitaires nécessite de gros investissements, comme vous le savez. Néanmoins, un grand nombre de villes, en Méditerranée notamment, pourraient manquer d'eau potable malgré la disponibilité de la ressource, qu'elle soit conventionnelle ou non conventionnelle. La capacité suffisante des infrastructures et la maîtrise des technologies et des méthodes. Si l'eau est une richesse naturelle et un bien essentiel à la vie, on pourrait oublier que l'acheminement à domicile d'une eau de qualité 365 jours par an n'en demeure pas moins une prouesse technique et économique au service du quotidien. En France, malgré un rendement de réseau de distribution moyen de l'ordre de 80%, 79,9 selon les chiffres, environ 954 millions de mètres cubes d'eau sont perdus chaque année à cause des fuites sur les réseaux d'eau potable, soit l'équivalent de 250 000 piscines olympiques. Pour endiguer ces pertes très importantes, la parfaite connaissance du patrimoine et son entretien sont impératifs, ainsi que la parfaite connaissance de la gestion client. L'équivalent de la consommation annuelle d'environ 18 millions d'habitants est perdu en France dans les fuites et dans les non-comptages ou mauvais comptages. La raison principale, le vieillissement des canalisations. 50% des réseaux d'eau potable et d'assainissement ont été posés avant les années 70. Et ajoutons à cela la qualité des matériaux utilisés, la corrosion naturelle des canalisations, un taux de renouvellement faible malgré une hausse en 2021, 0,6% pour les réseaux d'eau, 0,4% pour les réseaux d'assainissement. Ça reste bien sûr insuffisant et une connaissance du patrimoine encore à améliorer malgré tous les efforts qui ont déjà été faits. Mais nous avons en France un rendement de, comme je le disais, de 80%. En Méditerranée, c'est loin d'être le cas en moyenne. Donc, on va avoir des rendements qui oscillent entre 50 et 70%. Donc, comment dire, les pertes sont encore plus importantes, et notamment quand on sait que la plupart des pays sont sur le point, ont déjà fait ou sont sur le point de développer des nouvelles ressources dites non conventionnelles qui sont très exigeantes en termes d'investissement, mais également de consommation d'énergie, comme c'est le cas du dessalement. L'efficience dans l'utilisation des ressources en eau disponibles doit être une priorité de tous les pays méditerranéens, en même temps que le développement de nouvelles ressources dites non conventionnelles, en essayant de privilégier, lorsque cela est possible, la réutilisation des eaux usées plutôt que le dessalement, pour faire face à une demande en constante augmentation, alors que les ressources disponibles par tête d'habitant ne cessent de baisser. De cette efficience dépend la confiance des populations, des usagers, des autorités de tutelle et des bailleurs de fonds. Performance et efficience égale confiance, confiance indispensable pour l'obtention de financements durables et sur le long terme, et faire face aux défis de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. Merci en tout cas à nouveau Mohamed et Michel, et je vous passe la parole dans l'ordre que vous souhaitez. La parole est à vous.
Michel, Mohamed, il faut ouvrir le micro. Vous êtes en mute, là. C'est bon, voilà, ça a marché. Vous nous entendez ? Très bien. Merci. Donc, on commence. On a besoin aussi d'avoir l'autorisation pour présenter, me semble-t-il. Tiens, c'est OK. Et il nous faut l'autorisation. Non, l'autre a désactivé le partage d'écran. On a besoin d'avoir une autorisation, apparemment. Ida, vous pouvez régler ce problème, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Partager. Oui, tu cliques sur l'écran. Je mets tout l'écran. Partager. Voilà. C'est bon, ça va marcher. C'est bon. Et c'est là. C'est bon. Tu passes au mode lecture. Lire. C'est bon. C'est en cours de chargement. C'est voilà. Bon. Vous voyez l'écran ? Oui, très bien. Donc, je laisse le privilège à Mohamed de démarrer. C'est quand même, la parole est aux opérateurs en priorité. Donc, merci, monsieur Messier, de honorable assistance à travers notre filiale Société des eaux de Marseille, qui est membre de l'Institut méditerranéen de l'eau. J'ai le plaisir de partager avec vous l'expérience d'Oreda, qui est une filiale du groupe Veolia, dans la gestion des services d'eau potable de la capitale des Royaumes du Maroc. Donc, mon exposé va s'articuler autour des points suivants. Un petit point sur le contexte hydrique au niveau marocain et régional. Régional, ça veut dire je considère la région de Rabat. Un aperçu sur la gouvernance du contrat de gestion délégué qui lie Veolia avec les autorités marocaines. Des chiffres, Redal en chiffres, les investissements réalisés. La stratégie d'amélioration continue et nos actions pour l'amélioration de rendement et enfin des campagnes de sensibilisation sur la bonne gestion ou de réduction des demandes en eau potable. Alors, en ce qui concerne le contexte hydrique national, le potentiel des ressources en eau au Maroc est estimé à peu près à 22 milliards de mètres cubes par an. 80% ce sont des eaux de surface qui donnent une dotation à peu près de 700 mètres cubes par habitant par an, alors que inférieur à 1500 mètres cubes par habitant par an, le pays est considéré sous stress hydrique. Au Maroc, nous avons une politique de barrage. Nous avons actuellement 139 barrages et 130 nappes aquifères. Toutefois, le développement économique et social que connaît le Maroc va engendrer une forte augmentation de cette demande en eau. Il est estimé à peu près à près de 15 milliards de mètres cubes d'ici l'horizon 2030. Donc, pour ce qui est du contexte régional, je parle de la région où se trouve la capitale du Maroc, Rabat. Le potentiel de cette région, il est encore plus faible. Nous recevons annuellement l'équivalent de 955 millions de mètres cubes par an, qui donne une dotation annuelle de l'ordre de 106 mètres cubes par habitant, qui est très, très, très inférieure aux 1500 cités auparavant. Donc, ce constat nous interpelle pour une meilleure gestion optimisée de ces ressources et notamment l'efficience et l'efficacité de la distribution de l'eau potable. Quant à la production d'eau potable, la production, nous sommes des distributeurs d'eau potable. La production elle est assurée par ce qu'on appelle l'Office national de l'eau potable. Il est fait pour la région de Rabat, il est fait au niveau d'un barrage qui s'appelle le barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah, où des unités de traitement sont implantées. Il fait à peu près 9 mètres cubes seconde
soit l'équivalent de 283 millions de mètres cubes par an, et une station à Omezza qui fait à peu près 5 mètres cubes seconde, soit l'équivalent de 157 millions de mètres cubes par an. Et nous avons aussi une petite production propre au niveau de Redal, estimée à peu près à 2 millions de mètres cubes. Ce que nous utilisons pour les achats que nous opérons auprès de l'ONE s'élève à peu près à 108 millions de mètres cubes par an. Ça, c'est un petit peu un aperçu sur les ressources en eau du Maroc et de la région. Alors, Redal est une filiale du groupe Veolia et il nous lie un contrat de gestion délégué sur 30 ans. Il a démarré en 1999, il va s'achever en 2028. Alors, c'est un contrat qui est gouverné par un certain nombre d'instances, ce qu'on appelle nous, l'autorité délégante. C'est un rassemblement de 23 communes de Rabat qui ont décidé de déléguer la gestion à Veolia. Et sous cette autorité, il y a un service permanent de contrôle. C'est une entité technique qui fixe avec nous et vérifie tout le respect des standards en termes de réalisation des investissements, en termes de budget, en termes de rendement des réseaux d'eau potable, d'électricité, en termes de pertinence et performance des traitements des eaux usées. C'est un organe qui est très technique. Aussi, nous sommes soumis à l'autorité du ministère de l'Intérieur pour tout ce qui est les décisions relatives au contrat de gestion délégué. Donc, il valide tout ce qui est avenant au contrat, aux révisions de contrat. Autour de la table, nous sommes Veolia et le seul actionnaire au Maroc. Nous n'avons pas d'autres actionnaires autres que Veolia. Et à la partie prenante, il y a l'Office national d'eau et d'électricité qui sont nos fournisseurs en matière d'eau et d'électricité. Nous avons aussi autour de nous le partenaire social, un office de change qui contrôle les transferts des fonds à l'étranger et le ministère des Finances qui contrôle la conformité par rapport aux lois et exigences fiscales. En ce qui concerne le Redal en chiffres, donc ici c'est quelques chiffres de l'année de fin 2020. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de à peu près 3,7 milliards de dirhams. Et il est réparti entre l'électricité, l'eau et l'assainissement. L'électricité fait la part du lion, il est à peu près 67%, c'est 2,4 milliards. Le potable, 740 millions de dirhams. Et l'assainissement, à peu près 200 millions de dirhams. Comme j'ai dit tout à l'heure, le contrat, il a été repris par Veolia, parce que dans le temps, on avait un groupement hispano-portugais. Et le contrat, il a été repris en 2002 par le groupe Veolia. Dans le périmètre, nous gérons à peu près, nous alimentons 2,2 millions d'habitants. Ils sont répartis sur 23 communes et arrondissements. Nous sommes 1600 collaborateurs. C'est tout ce que j'ai sur l'aspect chiffre. En ce qui concerne les installations d'eau potable, nous desservons 589 000 clients. Nous avons un taux de desserte qui est de l'ordre de 99,9%. Toute la population de la wilaya est alimentée. Et certaines zones sont alimentées par des bornes fontaines. Et le taux de rendement, en 2019, on était à 83,15%. Et en 2020, on est à 82,5%. Notre rendement moyen maintenant, il est de l'ordre de 83%. Nous gérons un patrimoine de réseau composé de à peu près 4440 km. Nous avons une capacité de stockage de 335 000 m3 qui fait l'équivalent à peu près de 22 heures en journée de pointe et 29 heures en journée moyenne. Et le volume distribué en 2019, il avoisine les 90 millions de m3. Alors, le bilan des investissements qu'on a réalisés entre 2002 et 2020, c'est de l'ordre de 8 milliards de dirhams. Pour le dirham marocain, c'est l'équivalent de 1 dollar, c'est 9 dirhams à peu près, donc, ou 11 euros, l'équivalence pour les gens qui ne connaissent pas le dirham. Donc, la répartition, les investissements réalisés pour l'eau potable, ils sont de l'ordre de 1 milliard 180 millions de dirhams.
Une grande partie est réservée, comme vous avez bien souligné, à la partie renouvellement des réseaux. C'est à peu près 429 millions sur les 1 milliard 2. Ils ont été destinés à la mise à niveau, au renouvellement des réseaux, branchements, compteurs et à la réhabilitation des ouvrages. Et aussi, parce que le contexte de la gestion déléguée, l'État marocain avait délégué la gestion en 1999, dans le souci de répondre à un souci d'assainissement. Dans le temps, l'assainissement était assuré par les collectivités locales. Et ça a nécessité beaucoup d'investissements. Donc, le choix il a été porté sur mutualiser les activités, les services d'eau, d'électricité et d'assainissement, ce qui a permis d'introduire pour la première fois au niveau du Maroc des redevances assainissement qui n'étaient pas payées dans le temps. Donc, on a pu mettre des facturations de l'assainissement. Et ce qui a permis de dégager des recettes qui ont pu financer toutes les infrastructures nécessaires, que ce soit à la collecte des eaux usées, à la dépollution. D'ailleurs, sur les 7 milliards réalisés entre 2002 et 2020, 3,4 milliards sont réservés à l'aspect assainissement. Vient ensuite la partie électricité, où lui a consacré à peu près 2 milliards de dirhams. Il faut savoir que dans l'équilibre financier, l'électricité contribue fortement à l'équilibre financier du contrat. Alors, en ce qui concerne la stratégie de Redal pour l'amélioration continue de rendement, et il y a ce qu'on appelle déjà la maîtrise du patrimoine. Et ça, il nous est possible grâce à l'appui sur l'expertise du groupe Veolia. Donc, dès 2002, nous avons procédé aux certifications nécessaires en termes de normes ISO, tout ce qui est procédure, mode opératoire. On a pu bénéficier aussi du retour d'expérience, que ce soit des réussites ou des problèmes rencontrés au niveau des autres filiales du groupe. Nous avons pu s'acquérir de toutes les bonnes pratiques qui sont réalisées au niveau du groupe, parce que le groupe il est sur plus de 70 pays à travers le monde. Et aussi, donc, on a pu mettre en place ce qu'on appelle nous des degrés de maturité par métier. Donc, c'est cette grille-là qui permet de maîtriser les actifs ou les biens de retour. Donc, que ce soit en termes de bonne gestion, en termes de renouvellement, en termes de gestion de finances, en termes de gestion documentaire aussi, de la maintenance. Et ça nous permet de sortir des indicateurs de performance localement, qu'on partage avec le groupe, et il y a une sorte de benchmark, et à chaque fois il y a une émulation, donc ça nous permet d'ajuster nos standards et de programmer la performance ou l'amélioration des indicateurs à travers le temps. Pour ce qui est de l'amélioration de rendement, donc, comme j'ai signalé tout à l'heure, en 2002, on était en rendement à peu près de 68% et on est passé à peu près à 82,7% en ce moment. Nous avons pu gagner un gap de 14 points, soit l'équivalent de l'alimentation et annuellement, ce qu'on a économisé entre les 68 et 82, c'est l'équivalent de l'alimentation d'une agglomération de 400 000 équivalents habitants. Alors, pour la maîtrise de ce rendement, nous avons mis en place toute une stratégie. Elle s'articule autour de plusieurs actions. Nous avons procédé à de la régulation et de la modulation de pression et une sectorisation des réseaux, comme vous savez, pour un périmètre très élargi, comme le cas de Redal. Procéder à des sectorisations permet d'améliorer énormément les détections de fuites et la réalisation, le calcul de rendement sectoriel. Nous procédons également à ce qu'on appelle nous la bourse des débits de nuit. C'est un exercice qu'on fait. Auparavant, on le faisait sur des tableaux Excel, mais après, on s'est doté d'outils du groupe très performants qui nous permettent
d'avoir maintenant en instantané l'évolution du débit de nuit par secteur. Nous sommes aussi adossés à la Société de Marseille, que nous remercions sur tout ce qui est, c'est un partenaire de longue date, et sur tout ce qui est détection, réparation de fuites, également sur la modélisation des réseaux, sur l'optimisation des travaux de renouvellement, que ce soit de compteurs, de branchement ou de réseaux. Et nous faisons beaucoup de travaux pour la lutte contre les fraudes et débranchements illicites. Nous procédons également à une maîtrise de comptage frontière avec notre fournisseur René. Et aussi, nous procédons chaque mois à des balances hydrauliques au niveau des ouvrages de stockage, parce que nous avons trouvé que ça fait une grande partie de grosses pertes arrivent aussi par les ouvrages. Quand je dis ouvrages, ce sont les ouvrages de stockage, et qui sont généralement enterrés et pour lesquels les fuites ne sont pas très, très détectables. Alors, donc, pour ce qui est de la régulation de pression, nous disposons actuellement de 27 étages de pression. Et nous sommes à 61% de notre réseau et les sous contrôle de pression. Ce système de régulation, modulation, on l'assure avec plus de 120 vannes ou réducteurs de pression répartis sur le périmètre de la wilaya. Donc, les bénéfices et impact direct sur les débits de nuit, donc on réduit énormément les débits de fuite la nuit. Ça réduit un petit peu la consommation, mais vu le caractère, le type de consommateur par zone, nous avons pu vraiment optimiser ce manque à gagner. Aussi, ça permet une protection des réseaux contre les fluctuations de pression et il contribue aussi à l'amélioration du rendement. Comme j'ai dit tout à l'heure, actuellement, nous avons acquis un outil très performant dans notre groupe. Il s'appelle le Water Loss Management. C'est un outil qui permet de centraliser et standardiser les données. Il permet un suivi pour la priorisation de la recherche de fuites par secteur hydraulique. Il lance des alarmes et des alertes pour les secteurs qui dépassent les débits nominaux. Ce que vous voyez ici, c'est une carte avec, selon la couleur, il nous indique quels sont les secteurs qui divergent. Par exemple, un secteur rouge, ça veut dire qu'il y a un contrôle à faire au niveau du débit de nuit. Et quand c'est vert, ça veut dire qu'on est dans les normes. Et c'est l'outil qui permet aussi d'avoir un historique pour vraiment voir ce qui oui, et pour fixer les références et qui permettent de faire le balayage de détection de fuite. Donc cet outil, pardon, donc l'outil il est connecté avec le système commercial, donc on calcule des ventes parce que nous avons géolocalisé en coordonnées XY, tous nos compteurs. Nous avons les réseaux qui sont sur un SIG et le modèle, il fait un lien avec toutes ces supervisions. Nous avons aussi la supervision des ouvrages par le système LEUR. C'est un outil du groupe Veolia. L'outil permet de consolider toutes les données et de sortir les débits par secteur. Donc, les bénéfices, ça permet de caractériser les pertes en eau par secteur et aussi une meilleure réactivité des équipes de terrain. Et aussi, ça permet beaucoup d'améliorer le rendement. C'est un projet qu'on a démarré il y a une année et ça remplace un travail qu'on faisait manuellement et qui n'était pas lié automatiquement avec le système commercial ou avec le SIG. Nous avions une plateforme qui gérait tous les débits de nuit de tous les secteurs, mais on faisait un travail, une mesure journalière, et cette bourse, on l'a vérifiée chaque matin pour orienter les équipes. Maintenant, on a un truc online qui nous permet de vraiment de suivre
je pense, avec un pas de 15 minutes. Pour, toutes les informations sont rafraîchies toutes les 15 minutes. Ensuite, nous sommes passés à une autre étape, c'est l'installation de pré-localisateurs de fuite. Parce que comme vous savez, faire la détection de fuite, ça nécessite la mobilité des équipes. Et certains axes, surtout les anciennes villes où il n'y a pas de, il n'y a pas d'accès, que ce soit pour les véhicules ou pour n'autorise pas la circulation. Donc, on s'est doté maintenant, on est en train d'équiper notre réseau par des détecteurs de fuite. Et donc, les fonctions principales, ça donne un tableau de bord de suivi de pré-localisateur sur une carte, comme vous voyez, sur une carte Google Maps. Et ça permet d'identifier d'éventuelles fuites. Et sur la base des écoutes, des enregistrements aussi de terrain. Donc, c'est une installation qui est rapide, mais ça nécessite des travaux. Donc, il faut placer tous les équipements sur des bouches à clé. Donc, il y a un travail terrain, mais le retour, il est intéressant. Nous avons aussi amélioré notre outil d'intervention terrain, ce qu'on appelle nous le CIGID. C'est un système de gestion des informations, des interventions sur terrain. Ça nous permet de géolocaliser toutes nos fuites et ça nous permet d'orienter les équipes pour une meilleure efficacité. Ça nous permet de tracer, d'avoir sur map toutes les zones où il y a des interventions récurrentes et pour lesquelles on doit forcément programmer des travaux de renouvellement. Donc, c'est un outil qui permet aussi la visualisation en temps réel et aussi améliorer les délais de traitement avec optimisation aussi des déplacements des équipes. Et ça nous permet aussi de partager l'information avec les autorités en toute transparence. Ensuite, il y a la partie renouvellement préventif de comptage. Donc, nous procédons chaque année à une étude métrologique du parc en s'adossant sur des outils groupes, donc selon la loi de vieillissement par compteur. Donc, ça nous génère le plan optimisé de travaux de renouvellement à réaliser. Nous procédons également, comme j'ai dit tout à l'heure, au renouvellement de branchements conditionnés, que ce soit par matériaux ou par année. Et nous procédons aussi au renouvellement de conduites, quoique le coût, comme vous avez signalé au début, le coût de renouvellement sont très, très chers. Et nous souffrons aussi vu les enveloppes, le contrat ne dégage pas beaucoup de ressources. Toutes nos ressources sont presque dédiées à l'assainissement. Là, nous sommes un petit peu le parent. On n'a pas toujours tous les budgets qu'on veut. Et aussi, vu le stade, le seuil de rendement qu'on a actuellement, parfois, il nous arrive difficile de parce que gagner un point de rendement en se focalisant sur le renouvellement réseau coûte beaucoup plus cher que d'un point de vue économique, pas sur le plan, je dirais, de l'or n'a pas de prix, n'a pas de valeur. Mais sur un calcul économique, le point de rendement va coûter beaucoup plus cher que le point. On parle de 15 millions, alors que si on ne fait pas de renouvellement, on va perdre 5 millions. Mais ce n'est pas le calcul qu'on fait, mais juste pour dire que nous sommes actuellement à un stade de rendement 83%, où vraiment, on est sur un optimum. Nous comptons l'améliorer parce que les exigences de notre contrat, nous sommes amenés d'ici 2028 à atteindre un rendement de 85,5%, qui est très, très ambitieux, quoique on n'a pas toutes les ressources qu'on veut. Mais on est convaincu que la mise en place d'une télérelève massive, du compteur petit calibre et du compteur gros calibre va nous permettre de faire un saut au moins un point par cette, je dirais, cet apport de digitalisation. Aussi, comme on est sur une zone qui connaît le stress hydrique, donc nous procédons régulièrement à des communications de sensibilisation sur l'économie de l'eau,
aussi ces quatre dernières, depuis 2014, le Maroc a revu son système de tarification de l'eau. Donc, on est passé au lieu d'une tarification progressive, on est passé à une tarification sélective. Ça a permis de réduire beaucoup l'eau. La dotation, elle est passée de 140 mètres cubes par an, par client, par ménage. On est maintenant à peu près alors de stabiliser autour de 120 mètres cubes par an, par ménage. La même chose, donc on procède sur les réseaux sociaux, des publications pour sensibiliser les gens sur les gestes adoptés au quotidien pour une utilisation rationnelle de l'eau. Voilà, c'est mon intervention. Donc je passe la main à mon ami Michel. Bon, si Michel le permet, on va essayer quand même, parce que sinon ça va. Il y a quand même un certain nombre de questions qui sont déjà posées. Et comme on a le temps, si vous êtes d'accord, on peut traiter un certain nombre de questions. Je sais que Michel, peut-être son exposé va répondre à certaines des questions, mais je pense qu'il y en a déjà certaines qui méritent une réponse dès maintenant. La première question, elle porte sur le prix du mètre cube d'eau à Rabat. Donc, vous y avez répondu en partie à la fin de l'exposé en disant que vous étiez parti d'une tarification progressive. Aujourd'hui, vous proposiez une tarification sélective. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une tarification sélective et de dire à peu près pour le Kidam moyen de Rabat, quel est le prix du mètre cube en moyenne? Une tarification sélective, dans le temps on avait une progressive, ça veut dire que tu as une tranche 1 de 0 à 6 mètres cubes, tu as un tarif. Si tu passes de 6 à 12, tu as un tarif. Mais tu cumules les tranches. D'accord? Tout le monde bénéficie de Tout le monde la bénéficie de la première et la 0,6. deuxième tranche. Très bien. Maintenant, on est passé à un truc. Selon ce que tu consommes par mois, ton volume va se trouver sur la tranche. On va t'appliquer une seule tranche. Sinon, D'ailleurs, tu un gros consommateur n'aura qu'une seule tranche, il bénéficiera pas de la tranche sociale, par exemple. Plus de tranches sociales, Très bien. oui. Et sur la tranche sociale, à Rabat, on est très pénalisé. Rabat et Casa, nous payons, il y a comme une hyperéquation vis-à-vis de l'année, où on paye à peu près à 4,88 dirhams hors taxe le mètre cube. Et on vend la première tranche à moins de 3 dirhams à Rabat. Mais D'accord. globalement, parce qu'on a 5 tranches, le prix moyen, et on est aux alentours de 8,2 dirhams. D'accord? D'accord. 8,2 dirhams. Et donc, de ces 8 dirhams, il faut déduire les 5 qu'on paye à l'année, il nous reste 3. Avec ces 3, il faut payer et les salaires, et les investissements, et les infrastructures et la maintenance. Ça, Mohamed, ça c'est que l'eau, hein? C'est que l'eau Ah potable. oui, c'est que D'accord. Ça c'est l'eau potable. Très bien. Merci pour et la réponse. malheureusement il n'y a pas de recouvrement de coûts. Ouais, il n'y a pas de recouvrement de coûts. Il n'y a pas de recouvrement de coûts parce que l'assainissement ça coûte encore plus cher et la redevance est encore plus faible. C'est ça le hic de ces contrats de gestion, c'est que vraiment il y a des besoins énormes en investissement. Alors, je vois que dans la foulée, il y a tout de suite une question qui arrive là de Sabri Raoui, qui est, pouvez-vous nous indiquer approximativement le coût de revient de l'eau potable par mètre cube? Donc déjà, vous avez en partie répondu parce que le prix d'achat à l'année, déjà, c'est une partie, mais ce n'est qu'une partie. Et c'est déjà 4, combien 4,5 dirhams le mètre cube. 4,8 4,8 dirhams le mètre cube. Donc, et à cela, il faut rajouter, bien sûr, toute la partie gestion de distribution, gestion clientèle, gestion commerciale, etc., etc. Recherche de fuite, réhabilitation, renouvellement, et compagnie. Donc, D'accord. non, mais allez-y. Sur notre chiffre d'affaires, j'ai dit tout à l'heure, on faisait les 4,6. Voilà, je le mets. On fait sur les 3,6, 67% de ce chiffre d'affaires, ils vont à payer l'ONEE, la partie électricité, la partie eau potable. Les 33% restantes, ils vont financer
et les infrastructures et les charges d'exploitation, que ce soit de la sous-traitance et des travaux. Pour vous dire que la marge, vraiment, elle est très... Tout ce qu'on fait, l'optimisation, tout l'exercice se fait sur les 33% à peu près, ou 32% de notre chiffre d'affaires. Mais les postes les plus gourmands, ce sont les prix de fourniture. Ensuite, on a une question sur demander d'éclaircir le calcul économique de l'amélioration du rendement. C'est-à-dire, quand vous avez parlé, je pense, du coût du point de rendement additionnel. Oui. Et le coût du point de rendement, ça, parce que les axes d'amélioration d'un rendement, il n'y a pas 36 000 choses. Tu as une détection de fuite efficace. Tu renouvelles des branchements, tu renouvelles des réseaux et c'est tout. Le coût lui-même, c'est le coût du point de rendement. Oui, le coût du point de rendement le moins cher, c'est la politique de renouvellement de comptage. Oui, mais ça coûte un point de rendement. Un point de rendement c'est pas la dépôt. C'est situé sur des réseaux, sur les réseaux, il se situe à peu près à 14 millions. Si on est sur le comptage, c'est à peu près 5 millions. Ça dépend, mais vous devez faire un mix entre. C'est un scénario à tracer entre un peu de renouvellement branchement, un peu de renouvellement réseau, parce qu'il y a des réseaux qui sont vraiment. Le plus important, c'est le ciblage. Ce n'est pas les enveloppes que tu vas mettre en. On est bien. Si tu connais bien le parc compteur, si tu connais bien le réseau, si tu connais les faiblesses et tout. Et si tu orientes bien le peu d'investissement, tu peux améliorer le rendement. C'est la maîtrise et la connaissance du patrimoine qui est plus importante. Merci. Mais ce qui coûte plus cher, c'est le réseau. Est-ce que vous avez une idée de ce fait? Donc aujourd'hui, vous dites que vous arrivez à peu près autour de 83% de rendement de réseau. Oui. Les 17%, si vous deviez les classifier entre pertes physiques et encore mauvaise connaissance ou mauvais comptage, mauvaise connaissance de la base de données abonnées ou encore des améliorations dans la partie clientèle, on va dire, comment vous répartiriez les 17%? Nous avons la balance hydraulique, je ne sais pas ce que je peux avoir, mais maintenant notre piste d'amélioration c'est beaucoup plus sur le comptage qu'on sait qu'on a, parce que notre patrimoine, il a doublé entre 2002 et 2020. Presque. Et nous avons le plus de pertes, nous les avons soit sur le branchement, parce qu'il y a des matériaux qui s'usent avec le temps, il y a des zones où il y a de l'agressivité, donc il y a un programme qu'on fait. Mais le gap, qu'est-ce qu'on va nous permettre maintenant d'améliorer plus les rendements, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la maîtrise. Si tu as une télérelève, tu vas connaître tous les compteurs qui sont bloqués, tu vas maîtriser le parc, tu vas maîtriser les fraudes, tu vas maîtriser les débits de nuit, c'est un tout. Mais actuellement, le 1 point, on va le gagner nous, le 1 ou 2 points, on va les gagner beaucoup plus sur le comptage et sur la partie renouvellement, branchement. Sur les réseaux, un petit peu, parce que ça nécessite vraiment beaucoup, beaucoup d'investissement. Beaucoup plus d'investissement. Ouais, et ouais. Sur la partie comptage, le renouvellement des compteurs, il va se faire sur quelle stratégie? Est-ce qu'on va vers une stratégie de télérelevé ou on reste sur une stratégie classique? Nous, on est en train de défendre un projet avec, parce que c'est des projets qui ne sont pas financés dans le cadre de notre contrat. C'est des projets un peu qui sont coûteux. On est en train de chercher avec les pouvoirs publics pour vraiment... Parce que c'est l'avenir et tout le monde va s'y retrouver. Parce que nous, maintenant, sur des cahiers de charges, on nous impose des lectures, par exemple, lire le compteur à 30 jours. Chaque compteur doit être lu pour pouvoir bénéficier. Parce que quand on a mis la facturation sélective, les gens, ils n'aiment pas parce qu'ils doivent être facturés sur les 30 jours. Imaginez-nous, nous avons 1 million de compteurs, 1 200 000 compteurs entre l'eau et l'électricité qu'il faudra lire chaque mois. Nous avons toute une brigade qui fait ce travail chaque jour. Mm-hmm. C'est très coûteux en termes de mobilisation de ressources humaines. Ça coûte de l'argent.
Alors qu'on peut améliorer. Et le parc ne cesse d'augmenter. Il augmente de 3,5 à 4% par an. Donc, tu as toujours besoin de plus de lecteurs. Tu as toujours... Alors que maintenant, avec l'évolution qu'on a, peut-être avec la 5G, avec... il y aura c'est... l'avenir, c'est la télé-relève. Et... Je me permets de, d'intervenir avant de faire mon intervention. C'est vrai que, par exemple, on a fait un test sur une zone pilote pour faire la télé-relève des consommations et on s'est confronté à deux choses. D'abord, c'est le prix du mètre cube. Si en France, la télé-relève, quand on l'a mis en place, revenait à 2% du prix du mètre cube, ici, elle revient à 20%. Et d'autant qu'on a des compteurs divisionnaires, c'est-à-dire qu'en France, on s'arrête au compteur général. Et là, quand on prend un bâtiment de 20 appartements, ben, il y a 20 compteurs à lire individuellement. Et la prise en charge des pertes entre le compteur général, s'il existe, et le compteur divisionnaire est à la charge de l'opérateur. Donc, et donc, la télé-relève de 589 000 compteurs, ce n'est quasiment pas possible parce que ça va coûter très cher. Voilà. Donc, sur le plan déjà économique. Après, il y a d'autres problèmes sur le plan technique. Donc, je finis avec ça et on passe à toi, Michel. Dernière question. Il y en a une que je garde pour toi, Michel. Elle est de ton collègue Francis Perrin. Donc, celle-là, je la garde pour toi. Par contre, j'en ai une sur… Mais elle s'adresse quand même à la Rédale. Donc, allez, je la pose tout de suite. C'est comment on fait pour éviter les vols des prélocalisateurs sur le réseau ? Il a vécu ça. Il a une expérience dans le domaine sur le contrat de Meknès. C'est pour ça que… On fait appel à la Société des eaux de Marseille parce que nous, c'est mobile. Oui. On a mis des bouches, comment on appelle, les bouches à clé. On a mis des trucs spéciaux avec verrouillage. Et on essaie vraiment. On n'a pas beaucoup encore de prélocalisateurs, donc on ne connaît pas encore le problème. Mais cette année, on va installer plus de 500 prélocs. Donc, peut-être qu'on va le vivre prochainement. Très bien. Mais on a essayé de mettre des bouches à clé verrouillées. Bon, on posera les autres questions par la suite. Michel, je te laisse faire ta présentation parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions auxquelles tu vas répondre. D'accord. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, déjà, Mohamed vous a expliqué les enjeux du management des ressources en eau et des solutions qui sont mises en œuvre par un opérateur au Maroc. De mon côté, je vais représenter en fait tous les opérateurs du Maroc, puisqu'on travaille beaucoup avec l'ensemble des opérateurs, pour faire ressortir un témoignage un peu sur tous les efforts qui sont mis en place par les régies, l'ONE, puisqu'on a participé à certains de ces projets. Ça permet de faire un survol un peu de tout ce qui se fait, puisqu'il y a effectivement la Rédal, la Lidec, Amendis, qui ont des outils, effectivement, et un peu de benchmarking au travers des groupes auxquels ils appartiennent. Les régies se mobilisent aussi et font pas mal de benchmarking entre eux. Et puis, nous, on fait le lien parfois parce qu'on participe aussi à cette progression continue. Voilà. Et puis, je défends bien sûr tout le marché, le contexte, parce que beaucoup de fournisseurs sont présents au Maroc. Le Maroc est un très, très beau laboratoire pour moi de management de la performance, puisqu'il jugule pas mal de contraintes que je vais vous présenter un peu en introduction. Bon, Haut-de-Marseille-Maroc, très rapide. On est à peu près une centaine de personnes. Ça fait 30 ans qu'on est au Maroc. J'ai fêté mes 30 ans, 14 juillet 2021. On a accompagné les opérateurs depuis 30 ans à travers notamment le transfert de compétences de la Société des eaux de Marseille, puisque beaucoup d'experts sont venus de France pendant ces 30 années et beaucoup d'opérateurs marocains, de chefs de division, d'ingénieurs sont venus aussi à Marseille et ça a permis beaucoup d'échanges et dans un contexte de partenariat. Voilà, c'est important de le dire. Donc, je vais reprendre très rapidement quelques chiffres pour essayer de faire ressortir l'enjeu. L'enjeu, comme l'a dit Mohamed, c'est qu'on voit se dégrader la dotation par habitant au fur et à mesure que la population croît. La disponibilité des ressources aujourd'hui sur 22 millions, on a 12 millions qui sont consommés par l'agriculture, 2,5 à peu près millions de mètres cubes par an qui sont consommés par la distribution d'eau. Et vous voyez que ce qu'il reste, 7,5, on est sur la corde raide. Et l'objectif, c'est de maintenir ces 7,5, voire
de les augmenter. Ça, c'est un premier enjeu. Bien sûr, il y a un programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation qui est sorti en 2020-27, où là, il y a tout un panel d'actions et de moyens, 115 milliards de dirhams qui sont mis en jeu pour essayer de faire face à cette pénurie à travers, bien sûr, continuer à développer l'offre avec des nouveaux barrages, des stations de dessalement. Le point clé sur lequel je m'attarderai, c'est le deuxième, sur la gestion de la demande, valorisation de l'eau, amélioration de rendement, la réutilisation des eaux usées épurées. L'objectif est d'atteindre en 2040 573 millions de mètres cubes, ce qui représenterait la moitié en fait de la consommation actuelle, mais plutôt au travers d'autres usages que la consommation, mais néanmoins permettrait de réduire la pression sur l'utilisation des ressources. Le renforcement et l'approvisionnement en eau potable et en milieu rural, je vais en parler dans le slide suivant, puisqu'on veut harmoniser les services et étendre le service public au même niveau dans tous les territoires marocains et pas uniquement que dans les grandes villes comme Rabat et d'autres. Et puis, donc, toute la partie communication, sensibilisation, ça reprend un peu ce qu'a présenté un peu Mohamed à l'échelle de la Rédal. Alors, très simplement, quelques chiffres. L'évolution 2020-2050 de la population passerait de 38 à peu près 45 millions d'habitants. Avec cette volonté d'augmenter le taux de raccordement, donc si je pars du taux de raccordement actuel 2020 de 98% dans l'urbain, 65% dans le rural, aujourd'hui la demande en eau potable, demande du client, enfin pour la consommation, est d'à peu près de 1,2 milliard de mètres cubes par an. Si effectivement l'objectif d'harmonisation et de déploiement du service de l'eau à l'ensemble du territoire, on va continuer à augmenter légèrement le taux de raccordement qui est déjà très élevé, à 99% dans l'urbain et à 90% dans le rural, ce qui va nous faire passer de 1,2 milliard à 1,6 milliard de besoins, de demandes. Et donc, on va voir que si on ne fait rien, scénario en bleu, sans amélioration de rendement, 75% dans l'urbain, 60% dans le rural, on va dépasser les 2,2 milliards de besoins de production, alors que si on arrive à continuer à travailler, c'est ce qui se fait depuis déjà 25 ans. Hein. Bien sûr, tout à l'heure, Alain, tu parlais des rendements. Au Maroc, les rendements sont quand même beaucoup plus élevés. Tu as vu celui de la Rédal, mais bon, on peut citer d'autres comme Agadir à 80%, 78% à Marrakech, et donc à Fès, à Kénitra, tout le monde est en course pour pouvoir atteindre les 78-80% de rendement. Et donc, cette extension, cette harmonisation, ce déploiement du service public doit s'accompagner d'encore plus de performances dans les rendements. Et l'enjeu est quand même de 210 millions de mètres cubes si on se dit qu'on fait 80% au lieu de 75% dans l'urbain et 70% dans le rural au lieu de 60% aujourd'hui. Ça, c'est les enjeux de la performance. Pour reprendre la question que tu posais tout à l'heure, on ne se bat pas avec des armes égales, puisqu'effectivement, le souci de maintenir en fait des tarifs adaptés au pouvoir d'achat des familles et des clients contraignent les opérateurs à être beaucoup plus performants tout en conservant l'équilibre financier et à devoir trouver des solutions moins capitalistiques, parce qu'on compare, on est quand même à 2-3 fois moins en termes de prix au mètre cube que dans des villes de la Méditerranée que j'ai pris comme exemple. Donc ça, c'est aussi un handicap, parce que Mohamed disait, on ne peut pas renouveler les réseaux et choisir une qualité extrême. Donc on a des problématiques aussi de matériaux, de qualité de mise en œuvre. Ça fait partie des sujets que je vais regarder. Donc aujourd'hui, c'est toute cette problématique qui a quand même incité la Société des Eaux de Marseille à proposer des accompagnements adaptés aux opérateurs marocains, puisque c'était commercialement aussi, bien sûr, mais aussi sur le plan de l'objectif. Ça fait 30 ans que je suis au Maroc et ça fait 30 ans que je vois les efforts qui sont faits. Donc, on a accompagné cette volonté d'améliorer les rendements. C'est notre cœur de métier à travers trois types de prestations. Assistance technique, comme le fait Francis Perrin actuellement à la régie de Meknès qui nous écoute, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est plutôt de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'il fait, Francis, c'est de l'assistance technique, donc c'est des projets sur des plus longues durées avec des études et des travaux, je vais vous en présenter quelques exemples, et puis des audits à l'amélioration de rendement,
On est aujourd'hui sur le sujet de la recherche de fuite. On a très tôt démarré sur ce sujet-là. Et donc ça fait partie de notre cœur de métier. Puis la transformation digitale, les solutions et accompagnement du fait de la présence de la SOMEI, qui est la filiale informatique du groupe des Zones Marseille au Maroc. Et on va voir qu'elle œuvre pas mal dans beaucoup de régies. Il y a des choses à gagner. Et comme on l'a vu sur l'exposé de Mohamed, la digitalisation va permettre aussi des gains à explorer. Voilà, pour donner un exemple, justement sur le contrat d'assistance technique, assistance à maîtrise d'ouvrage, il y a eu le premier cas qu'on a fait, c'était pour la régie de Marrakech en 2012. Aujourd'hui sur Meknès. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de cadrer une petite mission d'évaluation des besoins, du plan, de la fiabilité du rendement, voir tous les axes d'amélioration qu'on peut faire. La mission B, c'est sur une durée de 33 mois. Alors, ce qui est intéressant, ce que nous, on défend, c'est que cette présence au quotidien avec les exploitants le matin, c'est quand même super intéressant parce que venir faire des études et des recommandations de l'autre côté de la Méditerranée, ça n'apporte pas les fruits escomptés puisqu'il faut vivre les contraintes, comprendre les spécificités pour pouvoir travailler dessus. Et je sais que Francis, qui nous écoute, travaille bien sur ce sujet. Et puis, il y a une mission C qu'on fait en déroulé sur la totalité de la durée du contrat à travers des plans de formation, des animations et des visites donc à Marseille ou chez d'autres opérateurs. Donc, je vais citer quelques exemples de ce qui ressort de ces assistances techniques. Il ressort, parce que je veux apporter quand même quelques solutions et quelques sujets clés, les ressources et les compétences parfois sont insuffisantes dans certaines divisions. Comme l'a expliqué Mohamed, l'objectif, c'est que les réseaux s'étendent à une vitesse assez grande par rapport à des villes en France et le personnel ne peut pas croître de la même façon. Donc, il y a effectivement toute une stratégie du choix des compétences et du bon calibrage du nombre de personnes. Donc, définition de poste, renforcement de capacité au travers de plans de formation, ça, c'est les actions que nous menons dans le cadre d'assistance technique. La gestion patrimoniale, la maintenance, donc là, aujourd'hui, sur Meknès, par exemple, l'intégration du SIG au cœur des opérations, la mise à jour automatique du SIG, la géolocalisation des interventions sont en train de se faire avec l'assistance technique. Bien sûr, ça nécessite des investissements de l'opérateur, mais toute la démarche d'accompagnement est nécessaire et se fait à travers une assistance technique. La dématérialisation des processus, comme nous le verrons tout à l'heure à travers les outils que propose la SOMEI et les outils qui sont mis en place, qui sont souvent d'autres outils, bien sûr, il y a tout un travail de dématérialisation en vue de coupler la gestion clientèle avec la gestion patrimoniale. Ce qu'a montré Mohamed à travers Waterloss, par exemple, est une solution. Optimiser l'ordonnancement, abandonner progressivement le papier, c'est ce qui se fait de plus en plus. C'est ça un peu les challenges de la digitalisation pour réduire les chemins et les temps, les délais. Le manque de communication entre les services. Donc aujourd'hui, de plus en plus, les opérateurs sont conscients de la nécessité de créer un entrepôt de données afin d'éditer des indicateurs périodiques plus fréquents pour agir et de disposer d'un outil d'aide à la décision, de ne pas attendre la fin de l'année. Donc, les cycles sont de plus en plus courts pour calculer ces indicateurs. Et puis, des réseaux neufs non performants, effectivement, au vu des coûts d'investissement que ça nécessite, le choix du moins de 10 ans, les contraintes des marchés publics amènent très souvent à avoir des fournitures qui ne sont pas à la hauteur des objectifs de rendement et donc qui nécessitent un renforcement du suivi des travaux, des solutions comme des habilitations des entreprises et surtout des ouvriers pour poser dans les bonnes conditions. Voilà un peu ce qui ressort. Après, c'est au quotidien que ce travail se fait, mais ce type de contrat permet de ressortir et de taper juste sur les points qui font mal et de trouver les bonnes solutions, bien sûr, auxquelles l'opérateur est sensible quand il travaille avec nous. Voilà, ça c'est un peu un exemple de comment relier en fait les outils de gestion commerciale, les SIG, la GMAO, à travers un flux client qui rentre avec de plus en plus d'agences en ligne, des CRC, des réseaux sociaux, un centre de supervision pour avoir un ensemble intégré qui permette de mieux mesurer les délais, de mieux assurer la maintenance préventive parce que c'est quand même l'objectif aujourd'hui, c'est de mieux gérer le patrimoine et les clients sont à travers des réclamations, les non-conformités de ce patrimoine et c'est ça le challenge aujourd'hui d'accentuer les opérations à faible coût. Voilà, ça c'est un exemple d'accompagnement. On parlait tout à l'heure de comment on change les compteurs. Donc sur un projet que Laradema nous a confié,
nous avons identifié le parc, les lots de compteurs, les profils de consommation, afin d'identifier en fait les lots défaillants à travers des étalonnages. Et on a livré à l'issue de ce projet, non pas un rapport, mais un module LanguaTerp qui permet au quotidien, tous les jours, d'identifier et d'éditer les bonnes interventions pour renouveler les compteurs qui coûtent le plus cher à la région. Voilà, à travers un outil, bien sûr, développé, un module de la gestion du système d'information commerciale qui a été développé pour la RADEMA. Alors ensuite, autre façon d'arriver, de travailler, d'intervenir avec un opérateur, le ministère de l'Intérieur a demandé à tous les opérateurs de faire des audits de rendement pour mesurer la performance. Donc là, à travers un exemple, nous avons identifié en fait 10 axes sur lesquels on mesure les performances sur chacun des axes. Ça permet de rassembler l'ensemble des actions qui sont nécessaires à l'amélioration du rendement et de lier ça pour pouvoir comparer une régie avec une autre sur les différents axes. Donc, il y a bien sûr tous les préalables, fiabilité du calcul du rendement, le macro-comptage qui permet de calculer ce rendement, la gestion commerciale, est-ce qu'elle est défaillante, est-ce qu'elle est fiable, est-ce que les données facturées ne sont pas sous-évaluées par rapport aux consommations, le micro-comptage, donc ça c'est l'artillerie pour calculer en fait le rendement, est-ce qu'on est bon, puisqu'on ne va pas parler de pertes, mais on va parler de facteurs de fiabilité, hein, de pourcentage de fiabilité, est-ce qu'on mesure avec des bons outils ou pas. Et ensuite, il y a toute la partie plan d'action, gestion patrimoniale, cartographie, recherche de fuite, patrimoine, intervention, gestion de travaux, organisation. Donc là, on est en train de mener des audits actuellement et d'autres régies en font par d'autres prestataires, bien sûr. Mais c'est très intéressant puisque de là, ça nous a amené à répondre à la question que tu as. Plus doucement, Michel. Et ralentis le débit parce que pour la traduction, ce n'est pas simple. Pardon. Donc là, c'est un peu l'outil qu'on utilise pour évaluer en fait la performance à la fois des outils de mesure et des actions récurrentes qui sont faites, qui suivent en fait une périodicité de un an. On mesure, on envoie des actions et on remesure chaque année à travers ces différents axes. Ça nous a permis d'évaluer, de comparer un peu des opérateurs à d'autres et d'avoir une évaluation sur l'ensemble des aspects. Donc ça, c'est le plan d'attaque de cet audit. Ensuite, au niveau, tout à l'heure, tu parlais de répartition des pertes. Donc là, aujourd'hui, nous travaillons avec une régie qui s'appelle la RADEF, avec laquelle, bien sûr, l'objectif de notre audit est de dire comment on peut répartir en fait les pertes. Donc, on sait qu'on a sur 100 mètres cubes, on a une vente de 75,5. Aujourd'hui, à la RADEF, c'est 78. Je n'ai pas pris les chiffres exacts de la RADEF. De là, on va avoir des pertes visibles. Alors, ces pertes visibles, on peut les mesurer parce qu'on a à peu près aujourd'hui un certain nombre de fuites journalières qui sont déclenchées. Et donc, on peut mesurer à travers un nombre de fuites par jour sur un laps de temps assez court, de 3-4 jours, une fuite visible, ce que ça représente en termes de volume et donc de débit, que nous avons estimé dans un premier temps. Et ça, c'est itératif. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à ça et arriver à la fin, à savoir si on a su répartir analytiquement les pertes, c'est au fur et à mesure des années, des cycles de mesure, qu'on va s'en rendre compte si on est dans les bonnes valeurs. Il y a les pertes incompressibles. C'est des pertes qui sont effectivement liées au suintement, à la transpiration des réseaux, sur lesquels, bien sûr, il n'y aura aucune action qui nécessiterait un renouvellement. Mais si on a des très faibles débits sur 3500 ou 4000 km comme à Rabat, automatiquement, on a un volume conséquent malgré tout sur lequel on ne pourra pas descendre. Les fuites non visibles, les pertes non visibles, nous les estimons à travers des débits de nuit, puisque c'est au moment des horaires de 3 à 4 heures du matin, en décomptant les consommations nocturnes, qu'on arrive à évaluer les pertes physiques. Et ça, c'est un outil utilisé, bien sûr, approximatif. Des pertes sur FIDER, sur réservoir, donc là, on a des linéaires de FIDER, et les réservoirs, comme disait Mohamed tout à l'heure,
ce sont des sources de pertes qu'il convient de diagnostiquer assez fréquemment. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas fait systématiquement. Je sais qu'il y a 3 ans, vous aviez découvert une très grosse fuite sur un réservoir qui a fait gagner 1 point de rendement pratiquement. Puis, il y a le sous-comptage de la facturation. Donc, ça, on est dans le micro-comptage. Alors, en général, ce qui est fait au Maroc, c'est qu'il y a une loi qui définit un échantillon à prélever chaque année les compteurs en service et qu'on passe au monde d'essai par modèle, marque, âge, diamètre, et qui nous permettent d'avoir une estimation, c'est approximatif, mais ça nous donne une estimation du sous-comptage. Rapporté à chaque lot de compteurs répartis dans chaque secteur, on a peut identifier à peu près une approche du sous-comptage, bien sûr, à corréler avec, quand on change un compteur, l'usager change d'habitude également quand il sait qu'il a été réparé. Donc, il y a une mesure à faire une fois le compteur renouvelé. Puis, il y a les pertes commerciales. Donc, les pertes commerciales, c'est les pertes liées à une cadence effrénée parce que quand on relève 500 000 compteurs par mois, manuellement, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas faire d'erreur. Ce n'est pas possible. Donc, des erreurs, il y en a. Quel est l'impact de ces erreurs? À travers des audits que nous faisons, nous regardons si du releveur jusqu'au traitement de la facturation aux enquêtes, comment tout ça est traité, comment tout ça est consolidé et fiabilisé. Et puis après, il y a les fraudes. Donc, les fraudes, c'est le reste, on va dire. Et là, aujourd'hui, au Maroc, ce qu'on a fait dans des villes comme Kenitra, c'est qu'on connaît les secteurs à fraude et on connaît les usagers à fraude. Donc là, c'est intéressant parce que sur les secteurs à fraude, dans certains quartiers, on arrive à poser des compteurs généraux pour mesurer les fraudes en les comparant avec les relèves. Et ça permet effectivement de trouver des foyers de fraude, sachant que dès qu'une personne fraude, les voisins fraudent et ça s'étend souvent dans un quartier. Donc, il y a souvent une corrélation par quartier, par secteur. Ça, c'est un autre type de démarche. Donc, de l'analytique des pertes, il y a la géolocalisation des analytiques de pertes, des types de pertes. Donc, ça, c'est dans le cadre d'un projet qu'on a fait avec la régie de Kenitra, où on a pu définir, grâce à la sectorisation, grâce au rattachement commercial secteur hydraulique, parce que ce que je n'ai pas précisé pour ne pas être trop technique, c'est que pour pouvoir faire cette analytique de pertes, on peut le faire au niveau de la ville. Si on veut le faire au niveau de chaque secteur, il faut avoir un rattachement de la consommation avec le secteur hydraulique, ce qui n'est pas toujours le cas. Très souvent, les secteurs commerciaux sont des quartiers bien définis et le secteur hydraulique ne correspond pas forcément à un découpage administratif. Donc là, il y a tout un rapprochement à faire. Mohamed a parlé, la solution, c'est la géolocalisation. C'est aujourd'hui la stratégie qu'ont pris tous les opérateurs, à la RADEM, à la RADEF, à la RADEMA. Aujourd'hui, on est sur de la géolocalisation pour pouvoir, en fonction des changements des secteurs hydrauliques, continuer à pouvoir calculer le rendement sectoriel commercial. C'est ce rendement commercial par secteur déduit des fuites physiques par les débits de nuit qui nous permettent de faire des calculs sur la répartition analytique à la fois par type, nature de fuite et par secteur pour orienter les équipes sur le terrain. Et la solution Water Loss Management, ça permet de faire cette mesure en continu logiquement. Alors que quand on le fait pour un opérateur qui ne dispose pas des outils, ça nécessite une artillerie lourde, des travaux et c'est des projets qui sont coûteux. Et l'objectif dans tous les contrats d'assistance technique que nous faisons, c'est d'avoir cette possibilité, comme le fait Water Loss Management. Ça se fait à Meknès, ça se fait à Marrakech, à Fès, afin de disposer de ces informations. Alors, dans le deuxième type de prestations que nous faisons, ça, c'est ce qui est vraiment notre cœur de métier qui nous tient, qui nous passionne et sur lequel on sait qu'on a un avantage sur les mesures fixes, c'est qu'on pose à peu près à Rabat, pour donner l'exemple, 120 capteurs par jour et on tourne sur 4400 km par an. Ça coûte cher à la Rédale aussi, mais je pense que quand on fait des calculs, on arrive quand même à sortir un retour sur investissement de ce travail-là qui est fait manuellement, qui fait travailler des gens, qui développe un savoir-faire chez nous aussi. Donc aujourd'hui, on a 20 équipes de recherche de fuite au Maroc. On balaye à peu près 12 000 km par an et on estime, sans trop augmenter le débit de fuite sur branchement et sur conduite qu'on prend en termes de ratio, qu'on arrive à récupérer pour nos clients à peu près 12 millions de mètres cubes chaque année. On a 4 types de contrats. Les contrats mesurés en fait, à partir des performances sur un taux de fuite détecté par kilomètre balayé, c'est le cas de Tanger,
On a des performances qui sont mesurées sur la partie, sur la baisse du débit de nuit du secteur et sans réparation. C'est le cas de... C'était le cas de Meknès, où on ne faisait pas de réparation. Et puis, il y a le cas des performances mesurées sur débit, baisse du débit de nuit du secteur avec réparation. C'est le cas de Marrakech, de l'Arache. Et puis, on a des performances qui sont mesurées sur les volumes gagnés, incluant la réparation des fuites sur détection et réclamation. C'est un premier contrat que nous sommes en train de réaliser dans une démarche un peu innovante de l'ONE, l'Office national de l'eau potable, sur la ville de Khouribga. Et là, bon, on doit mesurer demain soir le débit de nuit suite à 2 mois de recherche. Donc là, ce sera le moment de vérité. Mais le travail se fait dans cet objectif et toutes ces solutions sont là pour essayer de trouver le meilleur compromis. Ensuite, toujours dans un objectif de faire au Maroc l'exploitation de toutes les solutions qui nous permettent de performer en ce qui nous concerne, on s'est mis à la recherche de fuites par gaz traceur. Donc là, on s'attaque en fait à des réseaux parce que le ratio à peu près des fuites aujourd'hui observé dans les contrats de recherche de fuites, que ce soit au de Marseille ou d'autres prestataires, on est plutôt à 92% de fuites détectées sur les branchements et 8% sur les réseaux. Alors, comme dit Mohamed et comme tous les opérateurs le savent, les branchements, c'est un point sensible, c'est un point critique. Effectivement, il fait l'objet de fuites périodiques, on le constate, et en fonction de la qualité des matériaux, de la qualité de la mise en œuvre, ça peut augmenter du simple au double. Maintenant, on ne trouve pas des fuites sur conduite, sur gros feeder, du fait que les outils d'acoustique qu'on utilise pour la recherche de fuites des contrats précédents, que je vous ai montré, ne permet pas d'aller détecter la fuite sur conduite. Donc là, maintenant, on utilise l'injection de gaz hélium à partir de la mise en place de colliers de prise en charge et d'injection de ce gaz pendant une certaine durée, c'est calculé en fonction du débit et de la pression, et qui va constituer en fait un cylindre d'eau et gaz dissous d'une eau effervescente. Et ça va se propager avec la consommation, ça suit le débit, et à chaque fuite, ce gaz va se dégager. Et comme l'hélium est un gaz rare, on va le retrouver en surface à travers une cloche sur laquelle on passe au-dessus de la canalisation qui nous permet d'aspirer le gaz, de pouvoir, sur des passages sous chaussée, percer des trous qu'on rebouche derrière avec une sorte de colle et nous permettre de mesurer le taux d'hélium qui sort au droit de la canalisation puisque l'hélium sort verticalement. Et on a pu trouver ainsi des fuites en certaines quantités. Et je demande le témoignage de Mohamed sur Abba, on a pu en trouver également. Voilà, donc là, on travaille sur des gros feeders de 1400, 1200, 800, 600 sur ces photos. Et surtout, ce qui est intéressant sur la photo en bas à droite, c'est qu'en fait, une fuite noyée ne fait pas de bruit. Donc, si on passe avec une acoustique, on n'entendra pas. Alors qu'avec le gaz, bon, on a pu la détecter. Voilà, donc je vais rentrer, si je continue Alain, je vais prendre 5 à 7 minutes de plus pour parler de la partie, en fait, tu peux. Oh, merci. Transformation digitale, alors ça c'est un sujet qui va passionner aujourd'hui tous les jeunes puisque l'informatisation à outrance, donc on va rester dans la sobriété malgré tout, mais la transformation digitale c'est un outil sur lequel on est convaincu que des efforts pourront être faits et des résultats pourront être obtenus. Donc, on a, dans le cadre d'un projet, Soreca nous a demandé d'intervenir, un projet qui a été demandé par l'AFD, qui était de mesurer, en fait, la maturité digitale des opérateurs au Maroc. On a fait un travail sur 5 régies où on a pu mesurer cette maturité. Maturité, ça veut dire, est-ce qu'on est prêt à se lancer là-dedans? Alors, sachant que le Maroc a décidé de mettre l'accent quand même sur la qualité de service aux clients et les administrations, dont les opérateurs parfois font partie, mais dès que c'est service public, de s'engager à travers une loi pour éviter des va-et-vient des clients et de travailler à distance et de pouvoir travailler sous forme digitale. Donc, c'est la loi 55-19 qui incite en fait tous les opérateurs. Donc, on a fait cette évaluation
Alors, c'est assez intéressant. D'abord, c'est mesurer le parcours client, le Digital Customer Journey, qui permet quand même de voir toutes les opérations, comment elles se font. Par l'agence, courrier, CRC par téléphone, TSP. Ça, c'est les opérations manuelles, offline. Et puis, de plus en plus d'outils aujourd'hui, comme DigiRadège, que la Radège a mis en place, l'agence en ligne, une application mobile à travers les systèmes bancaires, SML, SMS, email, réseaux sociaux. On arrive à mesurer quels sont d'abord les canaux offerts et deuxièmement, leur taux d'utilisation. Alors, je donne un exemple à la Radef de Fès. 100% des réclamations, 55 000 réclamations par an étaient faites par les personnes qui se déplaçaient en agence et qui attendaient avec des tickets. Aujourd'hui, c'est 50 000 qui se font par le CRC et 5 000 par agence. Donc, ça réduit considérablement la pression, c'est éviter des déplacements. Et derrière, comme l'a montré Mohamed tout à l'heure, si le CRC est connecté avec l'aspect technique, ça va aller plus vite derrière. Donc là, c'est première analyse. Deuxième, c'est les solutions digitales qui sont mises au profit de la gestion du patrimoine. Là aussi, Mohamed a montré ce que fait la Redal. Aujourd'hui, tous les opérateurs cherchent à se lancer dans ces fameuses briques qui vont permettre de dématérialiser les procédures et à travers la gestion du cycle depuis l'achat, les travaux, la réception, la maintenance. On a tout ce qui peut être fait aujourd'hui manuellement par Excel et tout ce qui va petit à petit se transformer. Et je pense que dans 5 ans, on verra des opérateurs en grande majorité tourner sur le digital au Maroc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça nous a permis de savoir c'est quoi un service digital au Maroc. Donc, on a vu que sur les infrastructures opérations, l'objectif, c'est unifier les systèmes, intégrer l'usage des données. Les clients, c'est des systèmes d'engagement de respect à travers l'interaction avec les usagers. Et les employés, c'est la gestion des employés à travers des plateformes intranet qui permettent de suivre la vie de l'entreprise, bien sûr, avec des objectifs sur des axes environnementaux où il faut s'adapter au risque de la sécheresse, donc garantir l'approvisionnement en eau à travers des BCC et puis suivre les fuites dès qu'elles apparaissent à travers des outils comme Water Loss Management derrière. Sur la partie réglementaire, être conforme justement à l'arrêté 57-19, s'inscrire dans le plan de transformation digitale du Royaume. Voilà, donc on a des enjeux, il y a des objectifs dans la régie et puis il y a des solutions à mettre en place. Alors, ce n'est pas une somme d'outils, c'est une interaction entre les outils. Là, à titre d'exemple, je montre ce que la SOMEI développe chez certains opérateurs, en France en particulier, et commence à le faire au Maroc, c'est d'avoir toutes les liaisons entre l'ordonnancement à travers Smart Planning, Smart Mobility, pour permettre aux équipes de terrain de recevoir et d'acquitter les interventions pour mesurer les délais d'intervention. Donc, la cartographie, bien sûr, va avec. Voilà, donc je parlerai juste d'un petit projet pilote de télérelève, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, sur un secteur de Fès qu'on a mis en place grâce à un don du ministère du budget français. On a pu connecter 1200 compteurs qui ont fonctionné pendant 2 ans. Ça s'est arrêté. D'abord, il y a un problème technique qu'on a pu résoudre, mais qui pose problème aujourd'hui au Maroc, c'est la fréquence d'émission, fréquence radio, parce que la radio, ça coûte beaucoup moins cher que le GSM. Et aujourd'hui, on a fait l'expérience que la radio sur les fréquences internationales utilisées pour la télérelève ne marche pas au Maroc. Et donc, on a fait des tests avec la Redal. Et aujourd'hui, on s'attaque au Maroc plutôt sur les gros consommateurs d'électricité où les compteurs électriques sont directement connectés. On descend un peu dans les gros consommateurs d'électricité au-dessus de certains ratios. Et en eau potable, aujourd'hui, on a des tentatives à travers des fournisseurs d'équipements. Alors, c'est des ultrasons connectés avec des cartes SIM. Il y a des électromagnétiques connectés aussi en carte SIM. Et puis, il y a la possibilité de faire de la radio-relève. Là, à ce moment-là, ça nécessiterait qu'un releveur parcourt le quartier et télé-relève au fur et à mesure. Mais les grandes antennes ne passent pas dans certaines agglomérations. Alors, ça avait l'avantage de suivre le parc compteur et de faire vraiment de la maintenance pour savoir s'il y avait des fuites, s'il y a des tentatives de montage à l'envers, s'il y a du sous-comptage bloquant. Donc, c'était très intéressant. On a testé pendant 2 ans. Ça portait ses fruits. Ça permettait de mesurer le profil de consommation de chaque habitant, d'informer les clients sur des fuites permanentes et puis de suivre les rendements en fait, journaliers. Ça, c'était le top parce que, comme on disait tout à l'heure, si je pousse au bout de la sectorisation, c'est le rendement chaque jour
que je pourrais calculer, intervenir très rapidement. Donc là, on a vu qu'il y a grandement qui a affaibli à un moment donné et il a été remonté par une intervention sur place. Voilà. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, la tendance, ce que a montré Mohamed sur la Rédale, c'est d'avoir des dashboards qui permettent de suivre en interne et surtout vis-à-vis des clients, puisqu'en France, dans nos contrats, on est obligé de permettre à tous nos clients de suivre nos interventions, nos performances. Et ça, c'est aussi une tendance au Maroc qui est en train de se mettre en place également. Voilà, je termine sur 5 recommandations fortes que je pourrais apporter éventuellement au Forum méditerranéen à Malte en décembre. C'est le recrutement, le renforcement des compétences, la formation et l'attractivité du secteur qui n'est plus du tout attractif. On ne trouve plus des gens qui veulent travailler dans ce secteur. C'est compliqué. Les jeunes préfèrent travailler dans les télécoms, dans l'informatique. Donc là, il y a un travail. Je sais que l'IME a bossé là-dessus pour essayer d'améliorer ses formations. L'intégration des systèmes d'information, la dématérialisation des procédures, renforcer la qualité des fournitures et la mise en œuvre, suivi des travaux. Pas que le suivi des travaux, c'est perdu d'avance. C'est anticiper l'ensemble des opérateurs, mettre un peu plus en amont la pression sur les fournisseurs, sur la qualité des matériaux au Maroc. Je pense que c'est important. Revoir les critères de choix et d'évaluation des fournisseurs. Chercher des prestations à forte valeur ajoutée. C'est le problème aujourd'hui des marchés publics qui nous amène à avoir des moins de 10 ans. Ça ne facilite pas le travail des performances des opérateurs. Et puis l'animation continue des comités d'amélioration de rendement, mise en place de processus et d'indicateurs comme Francis Perrin le fait aujourd'hui puisqu'il est à Meknès dans cet objectif-là. Donc, il est sur place. Voilà, j'ai terminé. Très bien, Michel. Merci beaucoup pour cet exposé très, très, très complet. Enfin, les deux, hein. Bravo. Il y a quelques questions très, très, bon, plutôt techniques et relativement simples, je pense, à répondre. La première, c'est concerne les volumes d'eau de service. Comment évalue-t-on les volumes d'eau de service? Est-ce qu'on en tient bien compte? Bon, je connais la réponse personnellement, mais comment vous en tenez compte à Rabat, par exemple, dans le calcul du rendement? Pour ce qui est des volumes d'eau de service, donc, il y a la partie, ce qu'on utilise, nous, pour le rinçage des réseaux, que ce soit les réseaux neufs, les bouches d'incendie, les lavages de réservoirs. On les mesure, ils font partie de la balance hydraulique. Aussi, on a des utilisations des compteurs, des piquages où il y a de la consommation sans comptage. Par exemple, l'usage pour les hydrocureuses et tout ça. Donc, on essaie de gérer ça. Il n'y a pas des mesures très précises, mais on en tient compte dans la balance hydraulique. On les estime à peu près à 300 000 mètres cubes par an. Quand on fait les audits de rendement, on regarde quelle est la part des volumes d'eau de service parce que c'est effectivement au Maroc, on calcule le rendement technique, c'est-à-dire c'est le rendement commercial auquel on rajoute les pertes connues mais non mesurées et non facturées systématiquement, parfois facturées. Hein. Les poteaux d'incendie sont utilisés par la commune, il y a de la refacturation parfois, pas à la Rédale, mais je vois à Fès, on refacture. Ah bon. Ouais. Et puis il y a des compteurs généraux qui permettent de répartir les fuites entre le compteur général et le compteur divisionnaire dans certaines villes, comme à Fès, notamment. Alors, il n'y a plus de compteur général. Autre question, pour répondre à cette question en ce qui concerne les prélèvements, par exemple, pour remplir les hydrocureurs, etc., dans le cas du contrat de Marseille, on a installé des appareils spécifiques en obligeant les opérateurs à aller se remplir là. Franchement, c'est un travail de tous les jours parce qu'ils ont la facilité de se brancher sur les bouches, enfin, sur les boîtes de lavage notamment, et c'est toujours assez compliqué, bien que les boîtes de lavage aussi ont un système d'évaluation du débit et du temps de fonctionnement qui nous permet d'avancer, en tout cas de progresser toujours sur les évaluations des autres services qui ne sont jamais très simples. Et c'était une bonne question. Et on travaille sur ça. Une autre question technique, c'est les prélocalisateurs. Est-ce que les prélocs sont efficaces sur des réseaux PVC et PEHD? Les prélocs, là, on est au début du projet. On est sur la deuxième année. C'est la deuxième année qu'on a avec les prélocs.
On a détecté certaines fuites et on n'a pas encore vraiment un retour, je dirais, solide sur le... De toute façon, c'est corrélé avec la nature du matériau. Voilà. Je pense que l'efficacité de la recherche du bruit dépend du matériau. Et surtout, aujourd'hui, la problématique, c'est la modulation bi-étagée qui permet de réduire la pression la nuit par rapport à la pression du jour pour faire des économies, qui réduit aussi la pression. Et si on réduit la pression avec des matériaux PVC polyéthylène, ça peut être un handicap à suivre, à mesurer au niveau de la rédale. D'accord. Très bien. Il y a des questions concernant la sensibilisation citoyenne. En fait, dans l'exposé de Rédal, on voit bien l'importance que ça représente et je pense qu'aujourd'hui, ça représente un intérêt de plus en plus important. Enfin, c'est le cas, en tout cas, à la Société des eaux de Marseille, c'est le cas en France. On est de plus en plus sollicité par le citoyen qui demande des comptes et c'est très bien d'ailleurs. Michel a montré la partie digitale qui permet de donner accès aux informations aux citoyens de tout ce qui est fait. Je pense qu'au plus on informera les citoyens, au mieux on se portera sur l'analyse de la demande. Parce que si on veut agir sur la demande, la meilleure façon, c'est d'informer les citoyens. On l'a vu avec la convention citoyenne qui a été faite en France, avec bien sûr, je ne me prononcerai pas sur les résultats, parce qu'ensuite, il y a eu des pressions assez importantes. Mais ce qui était intéressant, c'est que les 150 citoyens qui avaient été tirés au sort ont été formés pendant 6 mois par des experts sur les différents domaines. Là, ça ne concernait pas que l'eau, ça concernait les changements climatiques. Et les propositions qu'ils ont faites à la fin étaient plus dures que les propositions de tous les experts. Donc, ça veut bien dire que quand on explique bien les choses aux citoyens, ils comprennent. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on est un bon élève du rendement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait aujourd'hui trouver un système d'aide du bon élève? C'est-à-dire, vous l'avez très bien dit, Mohamed, tout à l'heure, à un moment donné, on arrive, c'est la quadrature du cercle. On aimerait bien investir encore dans le renouvellement des réseaux. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, une étude économique à faire entre les ressources en eau non conventionnelles qui représentent quand même des investissements significatifs par rapport à des investissements sur les réseaux actuels, existants, avec des ressources existantes, qui sont des ressources conventionnelles, et de dire, bon, finalement, il vaudrait mieux aider à améliorer encore les rendements plutôt et réduire peut-être la production d'eau non conventionnelle qu'on envisage de faire. Et au moins, ça a une certaine, comment dire, en tout cas, durée sur le long terme. Et bon, par exemple, en France, il existe bien sûr les systèmes de financement des agences qui permettent à des petites communes de bénéficier d'aides non remboursables pour investir. Je pense notamment au branchement. Ouais. On a parlé tout à l'heure des branchements. On est à peu près convaincu que c'est un des enjeux forts. Et pourquoi? Parce que les branchements ont été posés en PVC la plupart du temps et pas en PEHD. Et donc, du coup, eh bien, on a aujourd'hui énormément de fuites parce que c'est souvent du PVC collé, même des fois, enfin, dans des situations pas très convenables, avec des camions qui peuvent monter sur les trottoirs. Enfin, on a toutes les problématiques dans ce cas-là. Est-ce que là, par exemple, on ne pourrait pas penser à un système, même international, d'aide justement pour le renouvellement de ces branchements qui constituent eux-mêmes en soi un impact important sur le rendement? Pardon. Nous, nous avons un contrat avec des ressources. Donc on a fait la proposition de ce qu'on peut faire avec les objectifs qu'on peut atteindre moyennant les ressources qu'on a sur le contrat. Et on a demandé à l'autorité de chercher d'autres sources de financement pour si on veut vraiment aller plus loin. Donc nous, on a enlevé la casquette après de... On a écrit noir sur blanc, voilà, si vous voulez qu'on atteigne les 85,5, voilà ce qu'il va falloir comme investissement. Et ça, on l'a négocié maintenant. Et le choix, parce que pour le gouvernement, la plus grosse, je dirais, consommation de l'eau ici, c'est beaucoup plus l'agriculture. On peut faire un effort sur l'agriculture, on va gagner encore beaucoup plus. Et sur l'eau, on a d'autres alternatives. C'est utiliser l'eau épurée, par exemple, pour l'arrosage des espaces verts et ça. Ça va apporter, on va réduire la demande de 10 à 12%. Avec ce qu'on fait actuellement sur les traitements,
la problématique de l'eau, il faut l'attaquer de plusieurs points, je pense. Et personne ne viendra nous donner de l'argent pour vraiment Non, mais faire ce qu'on veut de bien, mais... Non, je dis ça parce que, je veux dire, au niveau international, il y a des réflexions aujourd'hui qui sont en train de voir le jour sur une autre vision des financements des biens, ce qu'on appelle des biens communs. L'eau est un bien commun. Et on s'aperçoit qu'elle est de plus en plus rare. Elle n'est pas rare. L'eau, c'est la même. Elle, sur la surface de la planète, elle ne change pas. Par contre, en disponibilité en fonction des endroits, elle est quand même de plus en plus problématique. Et notamment en Méditerranée. Restons déjà en Méditerranée. On rencontre notamment au sud et à l'est de la Méditerranée des situations qui sont quand même préoccupantes, vraiment préoccupantes. Et avec, d'une part, bien entendu, une augmentation de la population qui reste quand même significative, une augmentation des niveaux de vie qui est également significative, et enfin, des dérèglements climatiques qui peuvent avoir des impacts négatifs ou des fois inattendus, en tout cas, sur cette situation. Donc, l'amélioration, la bonne gestion des ouvrages, d'une manière générale, pas que les rendements de réseau, mais la bonne gestion des ouvrages doit être mise vraiment en avant, sur le haut du panier, et pas en possibilité. Non, ce n'est pas une possibilité, c'est une obligation. Et il faut, je pense, ça c'est personnel, c'est une réflexion un peu de conclusion, c'est-à-dire il faut absolument arriver à mettre ces qualités-là en exergue, c'est-à-dire ce travail quotidien qui fait qu'aujourd'hui, on ouvre un robinet, on a de l'eau, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Derrière tout ça, il y a tout un travail qui est fait, très technologique, et d'ailleurs Michel a raison, il faut absolument présenter ces nouveaux métiers de l'eau, parce qu'en fait aujourd'hui les métiers de l'eau sont des métiers informatiques, sont des métiers de géographes, sont des métiers très techniques, par exemple, ces solutions de recherche de fuite par gaz traceur, on n'en parlait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est devenu une technologie qui est bien utilisée. On n'a pas parlé des chiens renifleurs, chacun, on verra si dans quelques années ce que ça donnera. Mais enfin, aujourd'hui, c'est des solutions. On va faire un test au mois de mars. Michel va nous dire, si vous faites un test au mois de mars, on pourra en reparler. J'avais une question concernant les engagements contraignants. C'est-à-dire, vous avez dit tout à l'heure que vous deviez atteindre à la fin du contrat 86%, 85,6% ou quelque chose comme ça. Si vous n'atteniez pas cela, la question est question classique. Quand on n'atteint pas les objectifs, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de contrat, il n'y a pas de pénalité, mais on est pénalisé sur... C'est un manque de ressources. Parce que si tu fais ce rendement, ça veut dire que tu vas dégager de l'EBE. Quand tu as un EBE, tu peux faire autre chose. Voilà, mais c'est très bien. Il n'y a pas de double peine. Heureusement. Et parce que déjà, on est les meilleurs. Il faut savoir, il n'a pas dit Michel, c'est qu'au niveau national, le ministère, il a demandé à ce qu'on ait un plan national de rendement. Il veut que tous les opérateurs atteignent 80% de rendement. Très bien. C'est ça l'objectif vers 2020. Oui, ceci étant, c'est très bien. Aujourd'hui, vous avez été très fort là, jusqu'à maintenant, là, il est 17h34, vous avez un rendement de plus de 90%. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez que 10% de perte des gens qui ont suivi, ça veut dire que vous avez été efficace, et en tout cas passionné et passionnant. Quelles sont les solutions que vous développez pour lutter contre les fraudes? Autre question du public. Sur les fraudes, nous avons une expérience contente maintenant avec... Je pense Guayaquil. Il y a des choses intéressantes. On fait un rattachement entre les données qu'il y a sur, par exemple, sur le Google Maps, la situation de, je dis n'importe quoi, les clients potentiellement fraudeurs. C'est les petites activités. Donc, on essaye de caler il y a un logiciel qui permet de faire des choses, on est en train de tester, ça veut dire on utilise c'est encore de tests, on n'a pas encore de résultats, mais à part ça nous avons des équipes, des brigades qui font la tournée
On connaît bien les clients les suspects et on analyse parfois les consommations d'eau et d'électricité, on compare. Parce qu'on a les deux produits. Donc, si on constate que sur un produit, on compare aussi entre clients, un café doit consommer à peu près la même. Donc, il y a des astuces. Mm-hmm. Mais là, on est parti sur la digitalisation, on est parti loin avec cette expérience qui est en cours de. Je ne peux pas dire plus, c'est en cours de. D'accord. C'est un secret. C'est on gardera ça secret. Très bien. Non, on va partager après s'il y a des résultats. Ah. On parlera du résultat. Oui. Non, très bien. Ben, nous, on avait développé à la SEM, je me rappelle quand j'étais directeur d'exploitation, on avait acheté une dizaine de caméras. Et une fois qu'on avait un suspect, on allait passer la caméra dans le réseau pour voir effectivement les bypass qui pouvaient être installés de temps en temps donc par les clients. Et bon, et ce qu'il faut après, c'est de voir. En fonction du pays, de l'environnement, des habitudes et des us et des coutumes, on peut en parler, on peut en faire, on peut dans la presse expliquer qu'on a trouvé un certain nombre de personnes, donc ça se sait, mais c'est pas de partout qu'on peut le faire, c'est pas facile. Il y a même des pays en Amérique latine où il y a de la délation, hein, c'est-à-dire que les clients savent qu'il y a quelqu'un qui vole de l'eau et on va annoncer, voilà, etc. Ça, c'est dans le cadre où les abonnés sont propriétaires, entre guillemets, de la société parce que ce sont des coopératives. Donc, voilà, donc vous avez tous ces systèmes qui marchent, qui peuvent marcher, mais en fonction d'un endroit ou de l'autre, c'est jamais simple. Le mieux, c'est l'expérience et la bonne connaissance des abonnés. Quand on connaît bien les abonnés, on a automatiquement des réflexes de professionnels en disant « Oula, là, ça, c'est pas normal. 1000 mètres carrés de terrain, etc. Une villa de 200 mètres carrés, etc., etc. C'est pas normal. » Voilà, merci pour ça. Donc, il y a une question là que personnellement, je ne comprends pas bien. J'ai demandé de la préciser, mais la personne ne l'a pas fait, mais je vous la pose. Quelles sont les dispositions de distribution d'eau en cas de déficit en eau 75 PC, 50 PC, point d'interrogation. Je ne sais pas ce que c'est, les 75 et 50 PC. 100%, ça veut dire. 100%. 75 et 50%, mais je ne sais pas. Bon, déficit. Nous, vous venez de le dire, à Rabat, on est bien servi. On a une alimentation assurée 24 sur 24. Et nous avons l'architecture de nos réservoirs et de nos réseaux, ils permettent de secourir. Donc, en cas de force majeure, vraiment, c'est qu'il y a une rupture au niveau de l'alimentation de chez le fournisseur. Mais ce qu'on a, c'est parfois du coupure dans l'ordre de 6 heures jusqu'à 12 heures pour faire des travaux. Sur le long terme, au Maroc, il y a des transferts de bassin à bassin d'abord. Sur le court terme, ben effectivement, il y a des tournantes, des tours d'eau qui sont faits encore aujourd'hui. Il y a des villes qui ont retrouvé de l'eau 100% du temps en améliorant les rendements. Parce que, effectivement, ce qu'on observe dans les villes où il y a de la pénurie d'eau, les abonnés installent des surpresseurs et des réserves d'eau qui vont accélérer la pénurie et qui vont fragiliser les réseaux. Donc aujourd'hui, il y a des villes sur lesquelles il y a des objectifs de mettre de l'eau non conventionnelle comme du dessalement pour arriver à supprimer toutes les bâches et les surpresseurs. Voilà. Okay, il y a une question qui va dans ce sens. Quel est le coût du mètre cube d'eau économisé par rapport au coût de développement de nouvelles ressources en eau? Bah, c'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous avez un rendement de réseau de 70% ou 60%, je pense que ça vaut vraiment le coup de se poser la problématique de dire est-ce que j'investis dans une nouvelle station de dessalement ou autre, ou est-ce que je travaille sur l'amélioration du rendement parce que je sais qu'en 10 ans, je peux récupérer 10 points de rendement, par exemple. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai chiffré à 210 millions de mètres cubes l'enjeu d'amélioration du rendement à tous les opérateurs en fonction de l'urbain ou du rural, des taux différents, mais améliorés, on économiserait une station comme la station de Bourg-Grec. Donc, effectivement, ça nous éviterait de on ne pourra pas en construire une deuxième, sans doute, de construire 4 ou 5 stations de traitement, de dessalement. Après, effectivement, la réutilisation des eaux usées aujourd'hui, telle qu'elle est engagée au Maroc,
permet quand même de faire des économies importantes, de juguler les deux, c'est-à-dire que passer de l'eau potable à l'eau usée, ça coûte moins cher que de créer un réseau d'eau usée. Donc là, sur Tanger, par exemple, on passe tous les compteurs d'eau dans un réseau de la station en sortie de la station d'épuration pour irriguer. Et puis, les collectivités, ben, ça leur évite des factures plus lourdes. Oui. Parce que là, on est sur le surcoût d'exploitation. Ça revient à 2-3 dirhams, le surcoût transfert, pompage, par rapport à 4-5 dirhams pour une eau conventionnelle ou 15 pour le dessalement. Non, c'est la partie réutilisation. Ceux qui sont gagnants, c'est les collectivités. Oui. Parce que le coût de les opérateurs. Ouais, le coût de l'arrosage, actuellement, il est chiffré à peu près à 10 dirhams le mètre cube. Mais s'ils utilisent une eau traitée, ils payent à peu près 3 dirhams. Donc déjà la marge, il gagne beaucoup sur. Et c'est l'opérateur qui subit les frais d'exploitation et tout ça. On désendette les communes avec des eaux usées. C'est bien. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. On a encore quelques questions. Bon, on va se laisser un peu encore un tout petit peu de temps. J'essaie de les résumer. Bon, là, il y a quelqu'un qui fait une observation en disant pour le plastique, il faut simplement réduire la distance entre pré-localisateur, enfin, donc pour être efficace. Donc, c'est efficace sur le plastique, mais en réduisant les distances. Bon, je vous fais confiance. Si vous validez, on avance. La mise en place de brigades sur les récidivistes, principalement sur les secteurs périphériques, des villes, c'est-à-dire que bon, apparemment les fraudeurs sont plus dans les zones périphériques que dans les centres-villes. Bon, ça, c'est la mise en place de brigades, c'est quelque chose qui a été fait de partout, en France aussi, quand on avait dans les années 70-80 un certain nombre de personnes qui n'étaient même pas référencées dans les bases de données, hein. Donc on a trouvé ça, hein. Je veux dire, on est quand même au Maroc, on est quand même proche de ce qu'on rencontre en France aujourd'hui, hein, grâce au travail qui a été fait ces 20 dernières années. Parce que, bon, quand je vous disais en introduction qu'aujourd'hui, en moyenne, en France, on est à 80% de rendement de réseau, je veux dire, avec des observations qui sont en disant « mais ce n'est pas normal, il faut absolument renouveler plus ». Bon, le prix du mètre cube en France n'est pas le même qu'au Maroc, hein, donc il y a des marges de manœuvre qui existent et qui sont possibles. Bon, malgré ce, bon, mais le coût de la vie n'est pas le même non plus, les salaires ne sont pas les mêmes, etc. Donc, il faut relativiser tout ça et bien le comparer. Hein. Faut pas prendre le prix du mètre cube à Marseille et de dire « oulala, c'est deux fois ou trois fois le mètre cube à Rabat, donc il y a les moyens pour faire ». Oui, d'accord, mais il y a aussi des dépenses qui sont en fonction de ça, et notamment les salaires. Voilà, je pense qu'il y a un point quand même qui est très important, dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé, Michel en a un peu parlé, c'est la formation. Et je veux dire, pour d'une part attirer malheureusement, on est dans une certaine contradiction pour parler d'attirer des jeunes dans le métier, c'est le fait qu'aujourd'hui, aux jeunes, on leur dit, de toute façon, vous allez faire une dizaine d'entreprises dans votre carrière, et en plus, vous risquez de changer 5 fois de métier. Or, dans les métiers de l'eau, on y rentre et on y reste. Et donc, parce que c'est, l'amélioration de la qualité de la personne, c'est sur des années. C'est-à-dire qu'on accumule de l'expérience et au fur et à mesure, on devient de mieux en mieux et on réagit de mieux en mieux, notamment dans les périodes de crise. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'un opérateur, c'est d'abord un gestionnaire de crise. Donc, d'abord, ça lui plaît bien, ça. En général, les opérateurs, ils aiment bien gérer la crise. Mais donc, bien sûr, quand au mieux on gère, au moins on a de crise parce qu'on anticipe, on est capable, on a des systèmes d'information qui nous donnent justement la bonne connaissance des réseaux et des clients qui sont les deux points les plus importants d'un exploitant. Donc, je pense qu'à l'avenir, il faut vraiment montrer aux jeunes qu'il y a là des métiers intéressants qui permettent d'évoluer en termes de compétences et de connaissances tout en restant dans l'eau, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'eau à l'assainissement, de l'assainissement à la réutilisation, de la réutilisation à de l'informatique, et il y a de l'ingénierie, il y a de l'exploitation, etc. On n'a pas beaucoup parlé d'ingénierie. L'ingénierie,
pour moi, c'est un mauvais point du secteur de l'eau, c'est-à-dire qu'on est passé de coûts d'ingénierie, on a dû diviser par deux ou par trois, voire par quatre, le coût des ingénieries en France notamment, et ça ne l'améliore pas le résultat, parce que quand vous faites une ingénierie à 2% du montant des ouvrages, eh bien, vous avez une ingénierie à 2%. Quand vous faites une ingénierie à 5%, vous avez de la qualité, la qualité n'est pas la même. On peut raconter ce qu'on veut, et notamment en termes de non seulement d'ingénierie, mais également d'études, mais également de supervision de travaux. Michel l'a dit tout à l'heure dans ses recommandations en conclusion. La qualité des matériaux, ça c'est très important. Donc on revient sur l'histoire des branchements en PVC et des réseaux en PVC dans beaucoup de cas, et qui aujourd'hui causent des difficultés. Voilà, en tout cas, si vous avez peut-être une conclusion à apporter, chacun de vous, en commençant par vous, Mohamed, sur cette présentation, cet exposé. D'accord, je vous remercie. Sur l'aspect formation au niveau de maintenant de Redal et de Mendis ou Veolia Maroc, à Tanger, on a des centres de formation pour vraiment tirer les meilleurs techniciens et les former pour qu'ils soient vraiment prêts pour nos métiers. Donc, c'est un créneau sur lequel on travaille. On va lancer incessamment sur Rabat, à notre centre de formation. Donc, il va s'adresser aux jeunes bacheliers qu'on va choisir et qu'on va former avec une formation en alternance. Donc, sur campus et sur des sites. D'accord, donc c'est pour intéresser. Parce que le problème, c'est qu'il y avait il y a beaucoup de départs en retraite. Donc, il n'y avait pas de relevé que des contraintes. Donc, il y a une certaine période où on n'avait pas pu faire tout le recrutement qu'on veut. Quand on est passé à une logique de gestion de contrat, d'optimisation, il y a une partie de recrutement qui ne sont pas faits à temps, mais on est en train de rattraper le... D'accord. Oui. Mais il y a aussi un autre axe qu'il faudra développer, c'est vu qu'on a maintenant beaucoup de données, il faut des analystes de données, des ingénieurs qui doivent avoir une double formation, être informaticien et hydraulicien, pour vraiment exploiter toutes ces données qu'on a, qu'on stocke partout, et on a des informations pour lesquelles on peut vraiment, c'est un gisement, à l'instar de ce que font les bourses, moi je l'appelle la bourse des débits de nuit, mais de là on peut tirer beaucoup d'informations, beaucoup de données pour vraiment une meilleure gestion des ouvrages et des installations. Nous avons la chance d'être filiale du groupe, donc nous sommes liés via un hub grade. Avec toutes nos données sont remontées dans le système, un hub de Veolia. Donc, il y a un benchmark. On sait combien on va consommer une step, par exemple. Par exemple, ici, au niveau local, au niveau Maroc, on peut recommander avoir une entité qui va avoir un centre, je dirais, de commande, de calcul vers lequel doivent... être consolidé toutes les données pour avoir les benchmarks, c'est des choses qu'on peut... En tout cas, merci beaucoup. Et bon, Michel, lui, il a de la chance parce qu'il va venir, à Malte nous faire une présentation dans le domaine, justement, dans la session qui s'appelle Méditerranée, Hub des solutions de management, pardon. Et on a voulu vraiment mettre l'accent sur l'importance de l'exploitation, l'importance de l'exploitant, l'importance de la bonne maintenance, de la bonne gestion des ouvrages, de la bonne connaissance des abonnés et de la communication qu'on doit faire auprès de la population pour vraiment leur expliquer tout ça. Au plus, on explique, moi je me souviens que quand je suis rentré dans la profession, on disait « pour vivre heureux, vivons cachés ». Aujourd'hui, c'est pour vivre heureux, expliquons et expliquons ce que l'on fait. Parce que je pense que la période de Covid a démontré, bien sûr, que ceux qui ramassent les ordures ménagères et les gens qui sont dans les hôpitaux étaient indispensables, mais on a très peu parlé
de ceux qui sont derrière les réseaux d'électricité, les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement, ouais, qui ont continué à faire leur boulot de manière à ce que les services soient assurés 24 heures sur 24. Donc ça, c'est, je veux dire, sans un bon opérateur, et je terminerai avec ça parce que en fait, un des enjeux mondiaux et en Méditerranée, c'est l'obtention, l'atteinte des objectifs du développement durable des Nations Unies, l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. À Rabat, on y est quasiment. Et donc, bien sûr, en Europe, la plupart du temps, on y est. Dans d'autres pays, on a des difficultés souvent à atteindre ces objectifs. Mais par contre, quand on regarde les raisons, il y a des raisons financières, on est d'accord. Mais ce n'est pas que des raisons financières. Les raisons financières, les financements existent, ils sont là. Aujourd'hui, on a besoin dans le monde d'investir à peu près 110 milliards par an de dollars pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Et on doit en investir de l'ordre de 40, c'est-à-dire à peu près moins de 40%. Donc, du coup. Par contre, il y a 15 000 milliards d'épargne dans le monde. Donc, cette épargne, elle est souvent rémunérée aujourd'hui négativement, voire à zéro. Donc, il y a de quoi faire. Et pour attirer cette épargne et attirer ces investissements, la seule façon de faire, c'est la confiance. Et la confiance, c'est la bonne gestion. Si j'exploite bien mes installations, je vais avoir confiance, bien sûr, de mes clients, de mes utilisateurs, qui vont payer la facture parce qu'ils ont confiance. Ils disent, oh là là, je reçois un service. Ce service est de qualité et je paye pour ce service. Ça, c'est bien. C'est bien pour les donneurs d'ordre qui sont les ministres, les collectivités locales, qu'on soit en régie publique ou en délégation de service public, c'est pareil. Donc, l'essentiel, c'est de bien gérer. Et donc là, on a la confiance de nos donneurs d'ordre. Et puis enfin, la confiance des financiers, et qui sont de plus en plus sensibilisés aujourd'hui à investir dans le développement durable. Parce que de toute façon, on ne va pas leur laisser le choix. Et on va leur dire maintenant, c'est fini, vous n'investissez plus dans le pétrole, donc il faut bien qu'ils investissent quelque part. Donc, cette confiance, elle n'est pas facile à avoir. Donc, c'est très, très important pour moi d'avoir cet exposé qui va être fait par aujourd'hui, cette session qu'on avait, et l'exposé qui sera fait par Michel dans le cadre de cette première session du Forum méditerranéen de l'eau du 8 décembre prochain à Malte. Donc, je vous invite bien sûr tous ceux qui sont encore là présents de vous inscrire. Ceux qui peuvent venir, bien sûr, tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas venir, bien, allez sur le site et inscrivez-vous en digital. Vous pourrez suivre ce que vous voulez. Ça démarrera le lundi 6 et ça se terminera le mercredi 8. Merci à vous tous. Merci pour la qualité de vos présentations. Je pense avoir fait le tour des questions. Si j'en ai oublié, bien, signalez-nous-le. Et nous vous ferons un plaisir de vous répondre directement à travers Michel et Mohamed sans aucune difficulté. Cette édition a été enregistrée, donc on pourra la retrouver sur le canal YouTube de l'Institut méditerranéen de l'eau en français et en anglais. Et j'en profite pour remercier Ida et Malika d'avoir œuvré à l'organisation de ce nouveau webinaire, ainsi qu'à nos traducteurs. Et je les félicite parce que c'est jamais facile de traduire en direct comme ça. Merci à vous, merci à tous et bonne soirée. Et donc, rendez-vous au forum du 6 au 8 décembre à Malte. Et ensuite, bonne fin d'année à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.